On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un des nouveaux marchands du Carrefour La Plante à Iberville, Daniel Racine, qui vient tout juste d'ouvrir le café Internet Le Dôme. Sa mère a déjà eu des commerces il y a quelques années au Carrefour La Plante. Il a quitté la région quelques années en Abitibi. Il y revient. Il est spécialisé en informatique, mais en même temps, il détient encore les recettes de sa mère. Bref, Daniel Racine sera avec nous dans quelques instants. Mais puisqu'on parle du Carrefour La Plante, on va recevoir également dans quelques instants Jean Dénommé, là, qui depuis 10 ans est le directeur marketing, va nous parler entre autres des activités à l'occasion de la semaine de Pâques, parler du renouveau, des rénovations du Carrefour La Plante. Mais Jean Dénommé est un homme aussi très, très, très occupé dans le monde de la photo et de la vidéo. Pourquoi? Il signe à chaque semaine, et en fait à chaque 2 semaines, pardon, une chronique dans le Canada français sur les créateurs d'images. Il est aussi dans le bar à images. Vous vous rappelez, il y a peut-être 1 an ou 2, il y avait les boîtes lumineuses là, dans le Vieux-Saint-Jean, donc des bâtiments avec des locaux vides où on avait un peu mis un peu d'esthétique au niveau des vitrines. Bref, on fait le tour de tous ces dossiers-là avec Jean Dénommé à l'instant. Parlons de plusieurs choses, le bar à images, les créateurs d'images, chronique que vous pouvez lire dans le Canada français. Également, un peu plus loin dans l'entrevue, vous parlez également des activités au Carrefour La Plante à Iberville. Bref, que de sujets pour notre invité, Jean Dénommé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que d'occupations aussi. Ben oui, on essaye. On essaye d'être actif. Le bar à images, on s'en était déjà parlé, toi et moi, il y a quelques temps, parce que tu avais fait ça. Bon, c'était l'été passé? En 2013, oui. 2013. Pour les gens qui s'en rappellent peut-être pas, peut-être nous rappeler le concept. Dans le fond, c'est quoi? Il y avait les locaux où les vitrines sont vides actuellement. Tu les remplissais, là, disons, avec différentes images, mais il y avait un concept derrière ça. Exact. Ça s'appelait les boîtes lumineuses. On a pris 4 locaux qui étaient vides. Puis dans chacun des locaux vides, on a fait un thème. Il y avait les montgolfières, il y avait le tourisme, il y avait la ville de Saint-Jean, le développement là, de justement du vieux Saint-Jean et tout ça. Puis on avait aussi « À tour et alentour », qui était le fameux livre là, de M. Paquin. Oui. Puis Nicolas Paquin, exact, avec Simon Lachapelle. Et il y avait là-dedans des photos et des vidéos d'une 12aine d'artistes. Bon, ça, c'était quand même grandement apprécié parce qu'il n'y a rien de pire que des locaux vides. Puis on le sait, là, il y en a un là, tout juste en face, l'autre côté de la rue ici, que j'aimerais à côté bien du habiller. Cognac, qui serait bien, tout à fait, ça serait beaucoup plus joli habillé que l'inscription locale à louer. Remarquez qu'il y en a de moins en moins, fort heureusement. Exact. Mais je pense que le feedback a été intéressant, le public a apprécié. Oui, oui, oui. Puis j'aime à dire, mais ça n'a pas vraiment rapport, mais un curieux hasard a fait que les premiers locaux qui ont été occupés dans les locaux vides, ça a été ceux où il y avait les fameuses images. C'est intéressant. Il y a peut-être une corrélation qu'on ne sait pas. Là. Ouais, je ne croirais pas, mais bon, c'est amusant. C'est un beau hasard. Quel est le lien, donc, entre les boîtes lumineuses et ce qu'on appelle le bar à images? OK. Le bar à images, c'est un organisme qu'on a fondé en 2012 pour, justement, soutenir les créateurs d'images. Quand je dis créateurs d'images, je parle des gens qui font de la vidéo, les gens qui font de la photo, les gens qui font du cinéma aussi. On a beaucoup de gens... Vraiment, le Haut-Richelieu, c'est une pépinière de créateurs au niveau de l'image. Puis là, on se restreint un peu, mais on pourrait aller plus loin parce qu'il y a aussi là, tout ce qui s'appelle le graphisme et tout ça. Là. Puis on a des talents qui s'exportent même à l'étranger, à l'international. On a vraiment des grands talents. Même quand on regarde le concours Zoom sur mon patrimoine ou Zoom sur quelque chose là, qui dure depuis quelques années, c'est un terreau qui est très, très, très fertile pour, oui, dans certains cas, des gens qui font de la photographie amateur, mais amateur avec des équipements de plusieurs milliers de dollars. Là. Moi, j'appelle plus ça amateur. C'est pas mal semi-professionnel, professionnel. Mais on voit, via un concours comme Zoom, où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui font de la photographie dans la région. Là. Exact. Il y a beaucoup de très bons amateurs, effectivement. Mais on a aussi beaucoup de professionnels. On a vraiment les deux. Puis nous, on est ouvert. Le bar à images est ouvert aux deux. Là. On n'est pas fermé à seulement les professionnels. Là, pour l'instant, on a une chronique dans le Canada français. Le Canada français a eu la gentillesse de nous laisser un espace. On a une chronique bimensuelle. D'ailleurs, on a le 12 mars dernier, on avait Richard Racicot, votre directeur, qui est le 12e artiste que l'on présente là, dans notre chronique. Et c'est ça, c'est comme on présente des professionnels, mais éventuellement, on va présenter aussi des amateurs, là, des gens qui sont... D'où vient cette idée de chronique dans le Canada français qui s'appelle « Nos créateurs d'images » bon, j'en ai imprimé quelques-uns des papiers. Ça a commencé quand, ça? Ça a commencé en septembre dernier. L'objectif, au départ, c'est vraiment de faire une chronique qui permet de connaître nos différents créateurs. C'est des portraits, un petit jeu de mots facile, mais... C'est vraiment des portraits, dans le sens que j'essaie toujours parce que c'est moi qui les rédige, là. Je fais des entrevues avec les gens, tout ça.
de présenter un portrait de la personne, c'est-à-dire d'où elle vient, cette personne-là, comment elle a fait, pourquoi elle a commencé à faire de la photo, de la vidéo, du cinéma, puis où elle est rendue maintenant. Puis c'est vraiment comme ça. C'est pas présenté comme une promotion de la personne comme professionnelle en image. C'est ça, c'est pas un publi-reportage. C'est très humaniste. Ouais. C'est ça, l'objectif. Quand on regarde d'ailleurs dans ceux qui ont passé donc depuis septembre dernier, bon, Rémi Boily, qui est photographe au Canada français depuis une vingtaine d'années. Mais qui n'est pas juste photographe au Canada français. Mais qui fait d'autres trucs aussi. Fait beaucoup parce qu'on le connaît à cause de ça principalement, mais il fait plein d'autres trucs. Là. Ben oui, il est allé jusqu'à Haïti, lui. Il fait beaucoup de choses. Là, autant... Tu as fait le portrait aussi de Jean-François Chagnon, humoriste et réalisateur. Oui, qui est un des appendices, l'émission Les Appendices qu'on peut voir à Télé-Québec encore. Alain Desrochers, qui est un grand réalisateur. Exact, un de nos très grands réalisateurs. Puis d'ailleurs, c'est ça, là-dedans, j'essaie de parler un petit peu des choses qu'on connaît moins d'Alain, parce que quand même, il fait beaucoup, beaucoup de publicité. Il a fait des centaines de vidéoclips. Vraiment, c'est un créateur exceptionnel. Martin Berger. Oui. Jean Martin aussi. Ben oui, Jean Martin, qui est un professeur en photo au fameux Collège Marsan. Marie Faubert. Marie Faubert, qui a une carte de visite, ou en tout cas, qui a vraiment percé en Europe, puis vraiment solide, là, en France, puis en Allemagne, là. Au niveau international, là, on a quelque chose de grand ici. Marc-André Payet. Oui, qui est une espèce de hyperactif photographe. C'est vraiment comme ça. On a aussi Martin Clermont. Ben oui, bien sûr. De la famille Laure Clermont, de leur photo. Exactement, bien sûr. Tout à fait. Mais qui a son entreprise à lui, puis qui fait ses propres créations, puis qui a beaucoup, beaucoup de talent vidéo. Faut le retenir, lui. Au niveau vidéo, on va le voir dans l'avenir. Très prochainement. Bon, Stéphanie Lachance, l'une des photographes qui, au cours des dernières années, s'est beaucoup investie, notamment dans le cadre de l'International de Montgolfière, de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais dans d'autres trucs également. Qui a déjà eu un bureau ici, un studio sur la rue Richelieu. Une que je connais moins, Stéphanie Tussaud. Oui, Tussaud. Qui est-elle? OK, Stéphanie, c'est une passionnée de photos, mais vraiment de mariage. C'est un cas particulier, là. Puis je voulais le faire, même si ça fait un peu, entre guillemets, quétaine, parce qu'elle, elle ne le fait pas de façon quétaine. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis c'est vraiment une passionnée. Virginie Gosselin? Ben oui, bien ça, là, Virginie Gosselin est en train de présenter un livre là, avec la fromagerie de ses parents, puis avec des grands chefs là, cuisiniers. Et on a bien sûr Mario Ducharme. Bien sûr, Mario Ducharme qui est là depuis les débuts. Ça fait 30 ans, lui, maintenant, qu'il fait de la vidéo. Est-ce qu'il t'a parlé qu'il fait sa propre bière et son propre vin? Bien sûr. Oui. Si vous avez l'occasion de rencontrer Mario... Il m'en a pas juste parlé. Ah, OK. Donc, on le connaît. Je sens qu'il y a eu une dégustation. Donc, bref, ça, c'est le portrait des créateurs d'images. Et là, tu dis que le dernier que vous avez publié, le 12 mars dernier, c'est celui de Richard Escaut, qui dirige la télé ici depuis la nuit des temps. Exact. Presque. Pas loin d'une trentaine d'années aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Richard? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce qu'il t'a dit? Bien, je savais déjà qu'il était un musicien à la base, puis que comment il a amené un peu, comment la musique l'a amené à la télé, puis comment lui a amené du son à la télé. Là. Il y a ce côté-là que je trouve ça très intéressant. Mais moi, j'ai beaucoup accroché sur son rêve de faire vraiment une émission de variété avec un band, puis tout ça. Puis ça, c'est le genre de choses que le bar à images, ça nous ferait plaisir de l'aider à le faire. Parce que le fait que ce soit un organisme sans but lucratif, ça nous permet d'aller chercher certaines subventions que des fois d'autres organismes ne peuvent pas faire. Ou des fois, les organismes... Bon, la Télé du Richelieu est un organisme sans but lucratif, mais elle a déjà ses demandes, elle a déjà des choses qu'on peut le faire à côté. Donc, si le bar à images nous a amené l'été dernier, donc les boîtes lumineuses, en fait, à 2013, la chronique « Nos créateurs d'images dans le Canada français », quels sont les projets pour 2015-2016? Bien, c'est ça. Oui, il y a déjà un projet en marche en ce moment, puis on a fait nos demandes de subvention pour ça, puis on est toujours tributaire de ça. C'est clair. C'est dans un premier temps de faire des capsules vidéo de 3 minutes de tous les artistes là, que l'on a déjà rencontrés et de ceux que l'on va rencontrer par la suite pour faire une web télé là-dessus, qu'on puisse, après ça, pouvoir aller diffuser sur les grands réseaux. Je sais qu'il y a une ouverture de ce côté-là. C'est pas fait, mais c'est l'intention. Mais justement, le 20 mars prochain, chez L'Art Photo, on parlait de L'Art Photo tantôt, donc le vendredi 20 mars, on fait un 5 à 7 chez L'Art Photo. Ils ont des locaux maintenant au deuxième étage. Ils font des cours, là, ils ont des petites salles de classe. Bon, c'était peut-être un petit peu aride pour un 5 à 7, mais bon, nous, on va apporter ce qu'il faut pour que ça soit plus agréable. Peut-être que Mario Duchamp pourrait apporter son vin et sa bière. C'est un message. Donc, mais tout ça pour dire que
On va faire une petite rencontre informelle, mais je veux entendre les gens, je veux que les photographes, les cinéastes, nos vidéastes de la région nous parlent un petit peu de qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on crée, parce que je ne veux pas être juste celui qui revient toujours avec les projets. Mais d'où vient cette passion pour les créateurs d'images, pour les photographes, pour les vidéastes? Ça vient d'où, Jean? Ah, mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Ça vient de ma tendre enfance. Moi, j'étais tout jeune avec des amis à l'école. On faisait des vidéos. On faisait du Super 8 à l'époque. Oui. On faisait du film. Moi, j'ai un baccalauréat en cinéma. Après, je me suis intéressé à la publicité. Fait que j'ai fait un certificat en publicité. Puis, j'ai fait beaucoup de publicité télé. Il y a une époque à Montréal où j'étais très, très présent là-dedans. Et vite, j'ai basculé du côté du multimédia, d'où les vitrines et tout ça. J'ai déjà fait des vitrines pour rire, pour les lunetteries Laune, pour plein de monde. Je veux dire, c'est quelque chose qui est en moi là, depuis ma tendre enfance. Bon, et pendant tout ce temps-là, tu es toujours directeur marketing au Carrefour La Plante, à Iberville, depuis combien d'années? Oui, bien, ça va faire 10 ans au mois de septembre. J'en reviens pas moi-même. Parce qu'à la base, c'était un contrat temporaire, mais il faut croire que... Il n'y a rien de plus temporaire que ce genre de contrat, finalement. Exactement. Temporaire devient permanent. Mais il faut comprendre qu'au début, j'étais au Carrefour La Plante, puis en même temps, j'enseignais la publicité dans un collège privé. Je faisais un petit peu les deux. Mais depuis quelques années, je fais que ça. Le Carrefour La Plante est rendu à quelle étape de sa vie? Bon, M. La Plante est quand même très âgé, mais très en forme. Tout à fait. La semaine dernière, on avait Guy Sanson qui nous apprenait qu'il devenait le promoteur immobilier de M. La Plante, qui a des projets sur Conrad Gosselin et tout ça. Le Carrefour La Plante est rendu à peu près à quelle étape de sa vie? Là? Parce que le commerce de détail, c'est perpétuellement en mutation. Il y a de la nouvelle concurrence. C'est quoi l'avenir du Carrefour La Plante et des marchands qui occupent cet espace-là? Bien, dans un premier temps, il faut comprendre que, comme là, la crise que l'on vit tout le monde dans le marché du détail, nous, on s'en tire assez bien. C'est surprenant. Clientèle est fidèle? Plus que fidèle. Là, je veux dire, on a des augmentations de chiffre d'affaires chez les marchés importants. Là, je parle de IGA, Corvette, des choses comme ça, là, Paddock Junior, qui réussissent à augmenter leur clientèle. Puis on a des nouveaux venus aussi qui vont permettre de créer le mouvement. Il faut comprendre qu'on a rénové aussi. On a tout rénové au complet, le Carrefour à l'intérieur. Là, on va rénover les façades cet été. Ce qui fait que là, il va y avoir comme un regain d'énergie, là, de vie dans le Carrefour La Plante. Bon, là, d'ailleurs, vous avez des activités à l'occasion de la semaine de mars. Bien, en fait, de la semaine de Pâques, pardon, du 27 mars au 4 avril. Qu'est-ce qui va se passer là? Ce qui est un classique. Bon, bien, il va y avoir la ferme de Pâques, là. C'est toujours comme ça. Puis, on fait un petit concours sur Facebook. L'année passée, on l'avait fait avec... on avait deux bébés chèvres. Puis les gens donc avaient trouvé des noms pour les bébés chefs. C'était drôle. Cette année, c'est des moutons, donc, des petits agneaux. Donc, on invite les gens à trouver des noms pour nos agneaux. Mais il faut attendre. Il faut attendre le 27 avril. Le 27 mars. Au 4 avril, il faut voir les animaux avant de leur donner un nom. Donc, un Carrefour La Plante, donc entièrement rénové. Exact. Avec une clientèle fidèle, des nouveaux marchands. Nouveaux marchands, d'ailleurs, on a rencontré, nous, il y a quelques semaines, une dame qui a le restaurant. Là. Mamie Josie. Puis là, dans quelques instants, on va rencontrer un monsieur qui s'appelle Daniel Racine. Café Internet, qu'est-ce que c'est? Café Internet, le don. Bien, je vais le laisser lui-même se présenter, si ça ne vous dérange pas. C'est bon. Mais c'est le Café Internet, tout simplement. C'est bon. C'est bon. Jean Dénommé, merci beaucoup. Merci à vous. Meilleure des chances. Et justement, au retour de la pause, on reçoit monsieur Daniel Racine. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h.
On le disait quelques instants avant la pause, donc plusieurs activités à venir du côté du Carrefour La Plante, mais aussi des nouveautés, des nouveaux marchands. C'est le cas notamment du Dôme, le café Internet au Carrefour La Plante à Iberville, avec nous, Daniel Racine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. D'où vient l'idée du Dôme? Le Dôme est parti de l'idée de créer un café Internet au début de tout. Et le nom vient de maman. Son café, c'est-à-dire, elle avait un restaurant au Carrefour La Plante, il y a 25 ans. Qui s'appelait comment? Le Dôme. Qui s'appelait le Dôme. Oui, exactement. Elle a eu le petit prendre de quick lunch au milieu, un dans un local, puis une crêperie aussi. Elle avait le restaurant Normand aussi en 76, 77, 78. Et moi, j'ai repris le nom 25 ans plus tard avec l'idée de dire que c'était toujours... 25 ans plus tard, l'idée du restaurant revient avec les mêmes recettes. Fait que j'ai repris les recettes à maman, créé mon café Internet, sandwich, panini, salade, sandwich... Toute faite maison avec les recettes à maman. Pour bien situer les gens, donc physiquement à l'intérieur du Carrefour La Plante, vous êtes à quel endroit? On est tout juste en face du salon de coiffure et tout près de Corvette, dans le maire du Carrefour La Plante. Avec combien de places assises? On a 40, 30 quelques places assises là, du côté. On a un côté cigarette vapeau, qu'on vend les cigarettes électroniques avec des fauteuils de cuir. Et on a un côté plus bistrot, café, si on veut, là, les tables bistrot, du côté de la sandwich, salade, gaufre, crêpe, et ainsi de suite. Quel est le défi de partir ce genre d'établissement-là aujourd'hui, en 2015? Je suis dans le domaine de l'informatique, ça fait 22 ans. Et ça m'a, j'ai toujours travaillé dans le côté, du côté Internet là, pour les caisses populaires des jardins. Et j'ai enseigné au cégep à Saint-Jean le côté informatique et Internet aussi. Puis moi, j'arrive tout juste. Là, j'étais parti 12 ans à l'extérieur. Fait que, vous étiez à quel endroit? J'étais en Abitibi. En Abitibi? Entre vous faisiez quoi là-bas? J'étais pour le gouvernement. Je travaillais dans le domaine de l'enseignement, là, tout ce qui était informatique pour le gouvernement. Là, qu'est-ce qui fait que vous êtes revenu par ici? Voilà, le cafard, si on veut, là, ouais. Puis l'ennui de la région. Revoir la famille, les amis. Puis l'idée était au début de tout de faire mon métier. Là, la réparation des ordinateurs, la vente d'accessoires, le service... et de faire mon café Internet. Sauf que l'idée a grossi un petit peu et j'ai décidé justement d'ajouter des choses au café Internet pour que les gens, parce qu'on est connu dans la région, là, je suis natif d'ici et j'ai déjà eu un commerce déjà au Carrefour La Plante. Fait qu'en étant déjà connu, je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable puis de créer ce fameux café Internet-là. Les gens trouvent qu'il n'y en a pas dans le coin, mais c'est une idée qu'on se fait. Il en existe déjà, que je nommerai pas les noms. Ouais. Mais au Carrefour, il n'y avait pas ce produit-là déjà, d'établi. Même dans la région d'Iberville, là, secteur Iberville plutôt, il n'y a pas ce genre de commerce-là. Fait que j'ai décidé de faire ça par la suite. Est-ce que le fait d'avoir un café Internet au Carrefour La Plante, ça vient aussi, en fait, ça amène le Carrefour en tant que tel à passer un peu à l'ère plus moderne, exactement. Plus technologique. Effectivement, on regarde dans certains endroits, notamment des cafés-restos avec Internet, communication, Wi-Fi, où il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec leur... Pas juste des jeunes, mais même des gens dans la trentaine, qui arrivent avec leur portable, s'installent, prennent un café, font des travaux pendant ce temps-là. Pourquoi ils ne le font pas à la maison? Peut-être parce que l'environnement n'est pas propice ou la connexion n'est peut-être pas appropriée ou je ne sais trop. Mais bref, les gens semblent aimer ça, pouvoir s'installer peut-être à l'extérieur du domicile pour faire des petits trucs puis en même temps profiter pour luncher. Ça fait un point de rassemblement pour les jeunes. Ça fait un point de rassemblement, comme vous disiez tantôt, les personnes plus âgées, là, 30, 40 et même 50 ans, là, j'en ai qui viennent déjà au commerce, là, ils sont intéressés à ça. Et la technologie est là. On l'ouvre pour les gens de notre café. Ça attire les gens au Carrefour La Plante en même temps, parce qu'on n'a pas ce genre de concept-là dans le secteur Iberville. Et j'apporte un autre côté, l'informatique, que les gens aussi, quand ils viennent au café Internet, se posent des questions, ce que je fais comme service informatique, parce que je ne vends pas les ordinateurs, parce que j'en vendais et j'en vends plus, mais sauf que j'offre quand même le service de réparation, de changement de pièces, vente d'accessoires informatiques aussi. OK. Donc, c'est un peu de tout. Donc, la personne qui se présente chez vous peut à la fois luncher, prendre un café, poser des questions, faire réparer ses équipements informatiques, exactement. Ses ordinateurs. Puis le service est très important chez nous. On offre le service aussi aux gens qui posent des questions. Là. Ça coûte rien. Ça, là. Les gens vont poser une question sur les appareils... qui ont de la difficulté à se connecter à tel ou tel endroit ou qui ont des problèmes de navigation, peu importe, on leur répond à toutes ces questions-là aussi.
Puis on a en plus un service de traiteur qu'on offre à l'arrière-boutique. Mais c'est tout à la même enseigne. Si votre expertise était surtout dans l'informatique, aviez-vous quand même un minimum d'expérience dans la restauration? Je suis né quasiment dans la restauration. Maman a toujours été dans la restauration. Fait que, avec les restaurants qu'elle a eus, là, j'étais tout jeune et j'ai appris à faire à manger très, très jeune. Les recettes de maman, je les ai dans la tête. Je n'ai pas de recettes en tant que tel papier. Comme maman faisait, on fait les mêmes recettes que maman faisait là, 30 et 40 années plus tôt dans ses commerces. Là, vous êtes ouvert depuis combien de temps? On a ouvert, nous, le 25 février. Ça va faire la troisième semaine mercredi. Bon, quelle est la réponse jusqu'ici? Elle est bonne jusqu'à présent. Les gens sont, ils adorent le décor qui a été créé dans le local, l'atmosphère, l'endroit paisible qu'on a, relaxant, toujours des beaux sourires quand on rentre chez nous. Puis on offre tout ce qu'on peut à ces gens-là pour les rendre heureux. Bon, vous m'avez dit tantôt avant l'entrevue que, dans le fond, votre établissement, c'est comme un mélange entre un Tim Hortons puis un Milk and Piss. Un style un peu, oui. Un style un peu comme ça, oui. Qu'est-ce qui, dans le fond, caractérise le café Internet, le Dôme? On a du bon café. On a des produits faits maison. Vous avez des machines à café et tout, là? Oui. Mm-hmm. On offre du bon café, en torréfaction foncée ou veloutée. On a des produits maison. Tout est fait chez nous. Là. On ne fabrique pas notre pain, mais tout ce qui est fait, les sandwichs, les mélanges à sandwich, les paninis, tout ce qui est fait chez nous, les desserts, c'est tout fait maison. On fabrique tout au complet là, dans notre cuisine à l'arrière. Au niveau de l'informatique, quelles sont les questions qui sont le plus souvent posées ou le type de réparation auquel on doit s'adonner sur les ordinateurs c'est aujourd'hui? C'est sûr que les gens connaissent pas, en majorité, connaissent pas l'informatique. Fait que chez nous, là, les questions qui sont posées, c'est mon ordinateur est lente, pourquoi est-elle lente, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? C'est souvent la question, là, les gens installent, désinstallent les programmes. Fait qu'à un moment donné, il y a une défragmentation du disque dur qui doit être fait que les gens savent même pas. La majorité ne connaissent pas ça. Ça peut être des virus. Oui, ça. C'est flagrant. Les gens nous disent, bien, j'ai un antivirus. Même un antivirus ne supprime pas tous les virus parce que votre ordinateur n'est pas branché 24 heures sur 24 sur le réseau Internet. À ce moment-là, il y a un virus qui sort le matin. Vous, vous connectez le soir. Vous vous connectez, vous n'avez pas la mise à jour, vous attrapez le virus. Fait que c'est des problèmes comme ça qu'on résout. Disque dur qui ne fonctionne plus, mémoire vive qui brûle. Un paquet de choses là, qui pourraient arriver. Là, comme cet après-midi, j'avais justement un monsieur que son écran de portable ne fonctionnait plus du tout. Surchauffe de son portable. Malheureusement, soit brancher un autre écran à part ou changer son écran de portable. Oh. Mais les gens ne savent pas ça. Là. Fait que là, ils sont tous comme perdus dans ce domaine-là. Là, parce que c'est rare que les gens connaissent tout dans ce domaine-là. Là. Même si ça date de quelques années, ouais. On a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Mais souvent, le questionnement que les gens doivent avoir, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre 100, 200, 300, 400, 500 $ sur ma machine ou si c'est mieux d'en acheter une neuve? Bien, moi, je suis un genre de gars qui va donner la vérité aux gens. C'est qu'on va faire un estimé avant comment ça coûte les réparations. Rendu à un niveau aujourd'hui, un portable, bon, on peut avoir ça pour 399 $ Fait que quand on est rendu à 250 pour payer pour une réparation, c'est pas évident là, de dire au client, bien, vous êtes peut-être mieux d'en acheter un autre que de le faire réparer. Là. Même si moi, ça me donne des sous, là, c'est pas nécessairement ça que je vais offrir à mon client là, de le réparer. Puis après ça, il se pose des questions, il aurait dû m'en acheter un neuf. Là. À ce moment-là, on offre l'estimé avant la réparation. Les gens prennent des décisions plus du côté là, rationnel, si on veut. Là, Quel type de connexion Internet avez-vous au café en termes de vitesse? C'est du 25 mégabits qu'on offre avec un code d'accès, là, parce que je l'avais ouvert les deux premières semaines. On s'amusait beaucoup. Tout le monde s'est branché là-dessus? Tout le monde s'est branché. Fait que ça se promenait dans le centre d'achat. Pour combien de connexions simultanées? Ah, j'ai 500 500 entrées, sauf que je peux les diminuer comme je veux. Je peux contrôler tous les accès. C'est mon domaine. C'est à ce moment-là, facile. C'est plus facile pour gérer les entrées, les sorties des... Ouais. Puis je pourrais rapetisser mon signal aussi là, pour qu'il l'ait dans la boutique, mais ça, c'est pas la priorité pour le moment. Et en quoi, si on retourne à la nourriture, en quoi les recettes de maman ont-elles été si marquantes dans l'histoire du Carrefour La Plante? Tout le monde du secteur d'Iberville les connaissent. Les mamans, c'est quoi les meilleures? C'est quoi? Ah, les recettes de dessert, sa tarte au sucre,
que je pourrais dire, le gâteau mexicain, la pudding au chômeur. La pudding au chômeur est très connue parce que j'ai un de mes frères qui a un restaurant. Je ne vous nommerai pas le restaurant, mais a voulu vendre la pudding au chômeur à maman. Il n'a pas pu, mais il a trouvé un détour pour pouvoir y arriver, là, à l'offrir, la pudding, puis tout le monde l'adore. On parle de ma mère et tout le monde la connaît. Comment s'appelait votre mère? Micheline Racine. Pas son autre fille maintenant, là, Micheline Vincent, mais c'est la fameuse maman. Daniel Racine, merci beaucoup. Bonne chance. Félicitations pour ce nouveau projet. Donc, le café Internet, le Dôme, donc maintenant ouvert du côté du Carrefour La Plante à Iberville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Un petit cœur en chocolat, ça s'adresse aux enfants de 2 à 7 ans. C'est organisé par le service des loisirs et bibliothèques de la ville de Saint-Jean. C'est le samedi 28 mars à 14 h à la bibliothèque Saint-Luc. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil de ville. On fait la captation du conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on vous rassemble et choisit des extraits qu'on vous diffuse sur 2 semaines, sur 2 émissions. L'émission s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. Vous avez les grilles horaires. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct au Câble 9, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même. Pour rejoindre la télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Postal, téléphone, mais également pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Visitez le site Internet également pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Mais également l'émission que vous regardez en ce moment, ericlatour.com, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel également le dimanche entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain pour ericlatour.com. Bye bye.